à reproduire les erreurs. Nous sommes honorés de vous avoir. Bonjour, Sean. Ah, vous voilà. J'ai déjà appris la nouvelle. Mais bien sûr, vous ne seriez pas là si vous aviez échoué. Cette victoire me réjouit, mais surtout, je suis heureux de vous revoir en vie. Il n'y a plus rien à craindre. Pour l'instant, oui. Mais il y aura toujours des menaces. Vous ne devez pas baisser votre garde. Ali a toujours été loyal envers l'Institut et moi. Vous pouvez compter sur son aide. Quand je ne serai plus là, tout reposera sur vos épaules. On doit bien pouvoir faire quelque chose pour te soigner. Non, c'est... c'est ce que je veux. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour moi. Vous devez aller de l'avant. Vous concentrer sur l'avenir. Le temps que nous avons passé ensemble a été pour le moins... étrange. Vous ne trouvez pas? Pendant des années, je me suis demandé à quoi vous ressembliez. J'ai pensé... à tout ce que nous avions raté. Je tiens à vous dire que je suis reconnaissant des moments que nous avons partagés. Quel bonheur de t'avoir retrouvé. J'en suis ravi aussi. Merci, père. Vous avez aidé un jeune garçon à réaliser ses rêves. Maintenant, je crois que... je voudrais dormir. J'ai perdu Sean. Encore une fois. Je ferme les yeux. Je revois ma vie d'avant la guerre. Avant les bombes. Il suffit d'un instant pour que tout bascule. L'avenir, quand c'était tracé, change du tout au tout. Qu'on soit prêt ou non. Ça nous arrive à tous. Un jour ou l'autre. Ce n'est pas le monde que j'espérais. Mais c'est dans ce monde qu'on m'a plongé. Le Commonwealth. Ma patrie. On l'a taillée en pièces puis reconstituée. J'ai cru, j'ai espéré, pouvoir retrouver les miens. Tromper le temps, reconstituer ma famille. Faire comme avant. Mais maintenant, je sais. Je sais que c'est une chimère. Que le monde a changé. Que la route sera longue. Cette fois, je suis prêt. Parce que je connais la guerre. La guerre ne meurt jamais.